Salut les amis, c'est Kana en direct de son PC pour la suite de son aventure sur Sacred Citadel. Donc on se retrouve sur l'acte 2. Donc je rappelle, un jeu développé par Soufsen Interactive et édité par Deep Silver, disponible depuis le 17 avril, pardon. Pour la modique somme de 15 à 20 euros. Donc on se retrouve sur l'acte 2 après avoir fait le bourbier sans froid et la garnison blindée. On attaque tout de suite. Donc je rappelle que dans le premier chapitre, on a été récupérer un artefact. Et que là on poursuit pour aller voir où cela va nous emmener. Un Master Diff, encore une fois. Ça va pas se passer comme ça. Hypercute. Il est au sol, il arrive à faire revivre des trucs quoi. Valait rien les gars. Et ça vaut quoi ça? Ça vaut rien aussi. Sympa ce petit cimetière là. Ah, faut que je passe au dessus. Ok. C'est quoi ça? Ah, j'aime pas les ennemis volants. Oh, ces poissons, non! J'aimerais bien tester la rage pour voir ce que ça donne. Ça doit augmenter les dégâts. Mais je pense que je vais la conserver pour un boss. Parce que pour l'instant, j'en ai qu'une. Les décors sont assez sympas. On retrouve vraiment l'univers sacre. Oh, cet uppercut, comment il était violent! A mon avis là, je venais de faire l'attaque revers que j'avais jamais réussi à placer. Wow, c'est tourbilol de folie! J'adore quand elle tourbilol. Avec ces petits drapés là. Ninja. Oh, c'est quoi ça? Encore des morts. Reste au sol, j'ai dit. Niveau 18. Ça monte vite en XP par contre. Putain, j'aimais bien le style de cette épée parce que pour l'instant j'ai quoi? J'ai une hache et un marteau. Donnez-moi Excalibur. Oh.
Écrasement. Oh, j'ai raté mon coup. Voilà. Oh, je me fais un petit peu dépoper là. Oh, une deuxième potion de rage. Wouhou! Potion d'énergie, c'est con, j'ai pas la troisième truc de débloquer, sinon j'aurais pu l'utiliser. Merde. Allez, ninja! Et je fais quoi là? Ah oui, double saut, bien sûr. Oh, j'aime pas quand il y a des trucs qui pètent. Boum! Non, éloigne-toi de ça. Oh putain, j'ai activé mon pouvoir, je voulais pas, non! J'ai juste effleuré la touche, quoi. Mon attaque spéciale. Putain de merde. C'est pas grave, allez, le boss. C'est moi qui vais te pendre à ton grand mât, mon petit gars. Regarde, l'uppercut violemment donné, là. Percute. Écrasement. On n'en parle plus de tes petits marins d'eau douce. Elle est à ton tour. Wow. Wow. Allez les amis, la rage, la vie. Pour l'instant, la rage, ça me fait une petite fumée bleue, mais ça me réussit pas. Allez, on va essayer de le bloquer lui. Voilà. Putain, mais bloque-moi ça! Putain, je peux plus le bloquer! Oh putain, j'ai cru qu'il allait me tuer, quoi. J'ai mis tout ce que j'avais, là. Ça, ça vaut rien. Ça, ça vaut rien. Je suis à toc. Ah non, on peut pas y aller. Il faut se casser du niveau. Putain, elle est rentrée dans le bateau, quoi. Je
J'ai eu un petit bonus de temps. Pour une fois. Oh, point 2. C'est tout. Allez, un en dextérité, un en défense. Allez, on continue avec la ville engloutie. On va faire un petit passage par la ville. Rapidement. J'ai combien? 1300 pièces. Non, je les garde. Je les garde, j'ai deux potions de rage, trois potions et tout, ça devrait suffire. Est-ce qu'il y a du meilleur équipement? Pop. Ah ouais, mais je perds de la résistance élémentaire apparemment. Donc allez, je prends rien du tout. Ah, il y a peut-être des armes. 1300 aussi pour celle-là. Oh, ça me prend tout mon pognon. Allez, Osef, les armes, il y en a plein sur la map. Toi, tu voulais quoi, toi? Oh, me vendre des trucs, on s'en fout. De toute façon, la ville, c'est inintéressant. C'est juste pour se stuffer. Encore pour une sorte d'ajouter des mécaniques empruntées au hack and slash. Ta maman, ça doit être le boss de fin, à mon avis. J'étais seul. I don't know. You never taught us how to count. Fool! Bring me whoever is responsible for this. Some broiling is in order. Ninja! Get back here! I only want your legs with garlic. Hey, find your own food. Ah putain, il y a trop d'ennemis. Il y a quand des nouveaux combos là? J'ai pris combien de niveaux là depuis le dernier combo? C'est sympa, mais à quand des musiques comme on avait dans le temps? Il y a des chefs-d'œuvre dans les musiques 8 bits. Oh, je suis en train de faire un hit combo de folie. Restez là, restez là! Oh putain, vous m'avez coupé mon enchaînement, quoi. Ah putain, je courais vers toi. Pas mal. Tiens, uppercut. Putain, il a ressuscité l'autre que je venais de buter, quoi. Je suis désolé, mon cher ami, mais... Retourne d'où tu viens. De toute façon, tu me rends de l'XP, tu me donnes du pognon. T'es revenu à la vie pour rien, et en plus, tu m'offres des cadeaux. Oh non! Putain, mais quand est-ce qu'on va se barrer de ce putain de marais?
Putain, j'arrive pas à les toucher. Bon. Enfin, putain, j'ai cru que jamais ça allait s'arrêter de popper, quoi. Donne-moi mon pognon. Allez, tac, 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 mode ninja, tac, tac, tac. Oh putain! Oh là, y a trop de gars là! Laissez-moi un peu de place, une plateforme. Oh là! Il percute sur vous. Hop. Putain. Seulement 400 ennemis depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'en avoir tué plus que ça, moi. Allez, tac, 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 tac. Restez loin de moi, vous! Bande de petits insolents! Oh, bim! T'as l'air de dire, c'est moi l'insolent, tu attaques notre camp. Tiens, uppercute toi. Écrasement. Uppercute pour tout le monde. Écrasement. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il y en a marre de toutes vos conneries. Hit combo 49. Tac 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 mon ninja. Encore toi, t'as pas compris. Tiens, retourne te coucher. Ah, ils m'ont renvoyé me coucher. C'est pas grave. Je suis toujours là. Tourbilol. Ah, il m'a coupé dans mon attaque. Ok. Putain, j'arrivais pas à faire mon uppercut. 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 Écrasement. Et tourbilol. Allez, peut-être la fin de ce niveau. Putain, les doubles sauts, j'oublie tout le temps, quoi. Écoutez-moi ce bruitage. J'aurais pu se dépasser pour les bruitages quand même un petit peu plus. Putain.
Putain. Je suis mal placé. Putain, j'ai raté mon tour bilol. Tapoter les touches comme ça. Essayer de faire des plus longs combos possibles. Je commence à plus avoir de main. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas joué avec une manette de console. Oula. Vous êtes enragés les gars? Tiens, uppercut, ça vous calme. Allez, c'est le moment de dépasser ton hit combo. Ah putain, celui-là, je l'ai balancé trop loin, ça a coupé la chaîne. Dommage. Allez, on ramasse les pièces. Ils sont un peu crevards en argent, je trouve. Hein. Et voilà, fin du niveau, les amis. Seulement 2 points, putain, ils sont avares en points aussi là. Alors je vais mettre 1 point en attaque et 1 point en énergie. Et je vous propose de se quitter là pour cet épisode et de se retrouver pour la fin de l'acte 2 au prochain épisode. Je sais que ça vous embête peut-être un petit peu, mais là moi je suis plutôt sur un format de 15 à 20 minutes. Et l'autre fois j'ai fait une vidéo de 34 minutes et ça me gêne un petit peu parce que je pense que ça peut être long pour certains d'entre vous. Donc je considère que rester sur le format de 15 à 20 minutes, ça a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Donc peut-être je verrai au fur et à mesure des jeux, mais pour l'instant, pour celui-là, je trouve qu'il est très approprié. Donc je vous remercie de suivre mes vidéos. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je ne peux que vous recommander d'aller voir, ou au moins de les visionner, ou de visionner la chaîne. Je vous remercie de me suivre. C'était Kana en direct de son PC. On se retrouve pour la suite de cette aventure très bientôt. Allez, salut les amis!